Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube tant attendue puisqu'il s'agit du Natural Fitness Show jour J, le grand final. Alors sans plus attendre, je vous propose de revivre avec moi cette journée magique. C'est parti! Alexis! Alexis, ça va Alexis? Mon coach, absolument pas stressé par ce moment. Prends des glucides. Je peux compter sur lui. Allez, allez. Ok, donc là je suis juste derrière le présentateur et j'étais tellement stressée, mais je crois que vous imaginez même pas à quel point. C'est le tout premier passage en tenue bikini et franchement, mais j'étais trop mal. Oh, ça fait tellement bizarre de me voir comme ça. Non mais vous avez vu comment ma jambe elle tremblait. C'est même pas parce que je contractais comme une malade. Bon, quoi que je contractais comme une folle. Allez Juju. Allez Juju. Mais c'est surtout parce qu'il y avait une montée d'adrénaline qui me parcourait le corps. Allez allez. Non mais je reviens pas, c'est moi quoi. Avance avance, allez. De stresser de la vie là. En plus je suis sur scène, moi j'entends rien. Et le présentateur il m'a dit c'est ton moment, c'est ta journée, tu restes autant de temps que tu veux sur scène. Oh là là. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Allez. C'est la mienne. Non. Mais Thibaut dis donc, tu m'avais caché ça. Non mais ma jambe elle tremble, c'est hallucinant. Je pense qu'il y a un mélange entre la difficulté du posing, parce que le posing c'est très difficile, et bah, l'adrénaline hein, concrètement, les deux mélangés. Des comparaisons, c'est de comparer les différentes participantes sur les quatre profils, donc de face, de dos, profil droit et profil gauche. Oh là là! Oh là là! Yes! The best moment! Là, j'avais été appelée en comparaison, j'étais trop contente. Prends ta place! Mais hé, là, dis, bien sûr que le gros Santa, elle prend sa place. En général, quand on est appelé en comparaison, c'est plutôt bon signe. Donc dans ma tête, j'étais en mode, putain Juju, lâche pas, donne tout, pense à tous les kilos de patates douces que tu vas manger après ça et tout, ne lâche rien. Allez. Oui. Et c'est reparti. Est-ce que ça va? On a passé franchement au moins 10 minutes sur scène à faire des quarts de tour à droite sur nous-mêmes. Donc c'est très fatigant parce que en fait on doit passer tout notre temps à rester gainé, à rester contracté. Faut que chaque muscle soit contracté en même temps. Et franchement le posing c'est pire qu'une séance de musculation. Quand t'as pas bu depuis 36 heures, que t'as pas mangé de glucides depuis des semaines, c'est vraiment éprouvant. Mais voilà, c'est aussi pour nous tester sur le mental jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Allez. Oh ce dos. Oh le dos. Oh le dos. Alors là le gars qui crie comme un fou, oh le dos, c'est mon grand frère. Il m'a dit Juju, t'es ma petite soeur, tu te doutes bien que j'allais pas crier oh ce cul, oh ce cul. Ouais, vu comme ça, effectivement c'était un peu tendu. Alors, impression. Le meilleur public. Allez, il est où Alexis? Il est où Alexis? J'ai eu la chance d'être accompagnée par tous mes proches. Impression. Ouf. Génial. Allez. Ah yes. Le deuxième passage en tenue de sport. Et là franchement je commençais à bien relâcher la pression. Allez Rocky. Et à bien rentrer dans le personnage. Allez. Allez 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 allez. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Non mais quand je revois ça, je repense à tous les moments que j'ai vécu sur scène. Jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Oh. Amuse-toi. Je pourrais même pas vous décrire toutes les émotions tellement c'était dingue. Avance-toi. Allez. Jusqu'au bout.
Oh là! Yeah! Là, j'étais Rocky là dans ma tête. Il n'y avait plus rien qui m'arrêtait. Je me suis enflammée. Le biceps! Allez! Le biceps! Biceps! Oh là là! Allez! Je crois qu'en vrai, là, j'étais en train de m'imaginer en train de casser la figure à toutes les assiettes de collants asperges que je me suis enfilé. Allez! Encore, jusqu'au bout! Allez! Ah là, c'est le moment du fameux pari! Oh petite histoire en fait, j'avais parié avec mon coach que j'allais faire un double biceps sur cette position. Pendant toute mon année de prépa, je lui ai dit oui mais c'est nul en catégorie bikini, on peut pas faire de double biceps. Et en fait sur la chorégraphie en tenue de sport, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc du coup je me suis dit ok, je pense que je vais faire un petit truc un peu marrant. Et en fait juste avant de monter sur scène, je lui ai dit on prend les paris, je dégaine un double biceps. Pari relevé, j'aurais dû parier quelque chose. Allez. On était reparti pour les comparaisons parce que les comparaisons on les fait aussi bien en tenue bikini qu'en tenue de sport. On était reparti pour faire des quarts de tour à droite pendant 10 minutes en contractant tous nos muscles comme des folles. Clairement les jurys ils voulaient tester notre résistance au vomi. La première des quatre catégories. La remise des médailles. Clairement on avait tout gagné en fait à partir du moment où on était allé jusqu'au bout de la sèche et qu'on était sur scène. À la 6ème place. À ce moment-là, je me suis peut-être un peu trop enflammée. J'étais archi stressée, je n'imaginais même pas pouvoir faire un podium. Bravo. Pour moi, c'était le top 6 que je visais. Bravo. Et plus en fait le présentateur appelait les numéros du top 6, et plus je stressais. Bravo. 12 heures, 6 sur 17. Oh là là! Quand ils ont appelé la troisième, pour moi c'était fini. Allez! 12 heures, 6 sur 16. Oh là là! Oh là là! Entre le 6 sur 12. Alors là, vous pouvez voir à ma tête, je suis pas bien. J'avais Lorna qui me criait: continue de sourire, Juju, souris! J'étais trop mal, j'avais déjà envie de pleurer. Qui? Qui va faire la plus catégorie? Allez! Allez! À la première place, petite taille d'équilibre, j'ai la tête. On dirait que je suis en train de prier le dieu de la muscu. Allez, allez! Allez! 602! 600! Allez! Allez! Tellement intense, mais j'ai pleuré, mais comme une enfant. C'était impossible à retenir en fait, parce qu'il y avait un mélange d'émotions, de joie, de fierté, d'avoir vécu ces un an sans jamais rien lâcher, d'avoir toute ma famille présente et tous mes amis. Et c'était trop d'émotions intenses en même temps. Il y a la fatigue, la pression qui retombe, c'est indescriptible en fait. Et en plus, moi, j'essayais à tout prix de maintenir la pose bikini en me disant faut que tu maintiennes la pose, alors que j'arrêtais pas de pleurer. Oh là là. On y va les filles. Allez. Reste encore Justine. Ah oui, non mais alors là, j'ai dû partir un peu trop vite, mais il m'a un peu rappelé à l'ordre. Il y a du vieux public là-bas qui sont là, là. Ils sont avec une petite partie. Oh mon dieu, jusqu'au bout la voix d'enfant. Encore, il y a la toute catégorie, on va se concentrer, on va s'échauffer, on va repasser parce que ça va être difficile. Et on va que 602. Une fois
que j'avais remporté la catégorie bikini petite taille, il me restait encore un passage, le overall. Donc on est comparé moi et la gagnante de la catégorie bikini grande taille pour élire la championne toute catégorie. Toute catégorie, la Miss Bikini. La première au rang, un chèque de 400 euros. Deuxième, un chèque de 200 euros. Plus une coupe magnifique, sans oublier un beau cadeau qu'elles vont avoir. On se retourne ici, de au public. Compliqué sur le overall parce que moi et Anissa, donc l'autre concurrente, on avait des physiques mais qui étaient vraiment presque identiques. Allez, allez, jusqu'au bout, hein. Ils ont mis tellement de temps à nous départager, mais c'était hallucinant. Allez, 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 allez. On a cru qu'ils y arriveraient jamais. Allez, jusqu'au bout, hein. Souris, souris, monte tes dents. Facile parce qu'elles n'arrivent pas, les filles. Ouais, qu'elles sont. Elles ont peut-être les deux physiques. On est parti là, c'est bon. Yeah. C'est bon, on se remet de face. Ça y est, ils ont décidé, les juges. Ils ont décidé déjà. On y va, on y va. Et là, gros moment de stress. Souris, souris, monte tes dents. Modèle bikini, ici, c'est la première. La première place. Le overall, donc je vous passe un peu des photos, mais c'était un instant vraiment magique, et en plus je l'ai partagé avec une très belle athlète qui a une très belle mentalité, et du coup pouvoir le partager toutes les deux, bah c'était vraiment dingue parce qu'on a les mêmes valeurs concernant ce sport, concernant notre passion pour le bodybuilding et pour le culturisme. Donc quand vous avez la chance de partager la scène avec des athlètes telles que des filles comme Anissa, c'est vraiment extraordinaire comme moment. Donc je pense qu'à partir de là, comme on se l'était dit, que ce soit elle ou moi qui gagnait, c'était la même chose. Et c'était trop drôle parce que pendant tout le overall, on se regardait toutes les deux des fois et on n'en pouvait plus, on rigolait nerveusement et on était là en train de s'encourager, genre lâche pas ma belle et tout, c'est la dernière ligne droite, machin, c'est pas le moment de lâcher, faut aller jusqu'au bout. Et on n'en pouvait plus. Et voilà mes petits chats, comme vous l'aurez compris, cette journée a été le plus beau jour de toute ma vie. J'ai préparé cette compétition pendant plus d'un an aux côtés de mon coach qui m'a fait endurer des entraînements plus difficiles les uns que les autres, qui m'a poussé dans mes limites les plus éloignées, qui m'a fait performer, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait sourire, rigoler et surtout qui m'a fait tenir une diète tout aussi stricte en prise de masse qu'en sèche. Cette compétition représentait tellement à mes yeux la fin d'un combat contre une maladie que l'on nomme l'anorexie. Elle m'a permis de dire adieu à la petite Juju qui n'avait pas confiance en elle, qui pesait 42 kilos tout mouillé, ne mangeait rien et se pesait 15 fois par jour pour dire bonjour à Grosse Tintin, aka la mangeuse de patates douces, la plus redoutable de l'histoire du body qui adore manger. Je ne pourrai jamais vous décrire assez fort tout ce que j'ai ressenti à partir du moment où j'ai posé les pieds sur la scène du Natural Fitness Show. Ce sont des émotions indescriptibles. Je suis fière de mon combat, fière d'avoir traversé toutes ces épreuves et d'avoir été jusqu'au bout, mais surtout, je suis fière d'avoir partagé cette journée avec les personnes les plus importantes à mes yeux. Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur mon coach Alexis de m'avoir préparé à cette compétition, d'avoir cru en moi du début à la fin pendant ces un an, de m'avoir aidé à guérir, de m'avoir forgé un mental de guerrière et de m'avoir permis de remporter le toute catégorie bikini du Natural Fitness Show. Je remercie ma Lorna d'avoir crié tout au long de mes passages sur scène pour que je ne relâche jamais mon sourire, que je me rappelle tout le travail que j'avais accompli jusque-là. Ma petite Mims également, une petite maman qui a passé son temps à me tanner et à me retanner les fesses. Je remercie mes parents, mon frère, ma belle-sœur d'avoir assisté à une compétition de culturisme pour me soutenir alors qu'ils ne sont pas du tout adeptes de ce milieu et qu'ils n'ont pas toujours compris pourquoi j'étais passionnée à ce point. Et pourtant, ce jour-là, ils étaient présents. Mes amis d'enfance d'avoir enduré mes tupperwares, tous mes copains et mes copines d'Instagram qui m'avaient promis d'être là et qui ont tenu leur parole, ce qui montre à quel point ce sport est un sport de partage, malgré que
que l'on ait tous des objectifs bien différents. Je remercie également ma petite Margot qui a été la veille de la compétition courir pour m'acheter ma brassière pour mon passage en tenue de boxe. Je remercie ma petite Marine Leleu qui n'a pas pu être présente mais qui a rassemblé tous mes proches pour réaliser une vidéo tellement touchante. Tu es vraiment devenue une véritable amie. Je remercie Manu et Alex de m'avoir fait la surprise d'être présents ce jour-là. Je remercie mon gros cachalot, Thibaut, d'avoir fait irruption dans ma vie il y a de cela 4 mois. Merci à toi de m'avoir rassurée à chaque seconde, chaque fois que je doutais de moi. Tu as été présent jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la montée sur scène et c'était très important pour moi de t'avoir à mes côtés. Et enfin, je vous remercie, vous, ma team FitCats, pour tous vos messages de soutien tout au long de cette préparation jusqu'au jour J, ainsi que tous vos messages de félicitations à travers chacun de mes réseaux sociaux. Vous êtes une force incroyable au quotidien et l'avenir avec vous promet d'être magnifique. Je pourrais vous remercier ainsi pendant des heures et j'ai tellement de choses à vous dire. Alors je terminerai cette vidéo ainsi. Croyez en vous, croyez en vos rêves et ne laissez personne vous faire croire que vous êtes incapable d'aller au bout de vos objectifs. Le chemin en vaudra toujours la peine. Alors merci à tous d'avoir partagé ces instants magiques avec moi. Je vous aime de tout mon cœur. Le verdict ? Elle a fini première bikini et en plus, comme ça, cerise sur le gâteau. Mais je dois, c'est première catégorie. Bravo ! Bravo !